Nettoyez le foie avec les feuilles de papaye. Salut, salut les amis. Bienvenue sur votre chaîne de santé, de bien-être aux remèdes naturels. Saviez-vous que les feuilles de papaye pouvaient être utilisées d'au moins deux manières pour nettoyer le foie et avoir le top de sa forme? Aujourd'hui, nous allons vous montrer deux belles manières d'utiliser les feuilles de papaye pour nettoyer le foie. Mais avant de commencer, nous vous invitons à aimer la vidéo, à la partager avec vos proches et surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, afin de recevoir les notifications de nos prochaines vidéos. Faites un tour sur notre boutique en ligne www.rosemonifashion.com. Vous trouverez des cosmétiques d'origine naturelle pour prendre soin de votre beauté et de votre santé. Des produits minceurs, bulgares et réducteurs d'appétit, adaptés pour tout type d'organisme. Profitez également des réductions sur tous vos achats grâce au code promo Fureur de Rose Money. Longtemps ignorée, la stéatose hépatique non alcoolique ou encore maladie du foie gras est largement associée à l'épidémie d'obésité. Cette surcharge graisseuse anormale du foie qui touche environ 25% de la population mondiale inquiète de plus en plus les spécialistes. Sur l'effet d'une alimentation déséquilibrée, trop calorique et trop grasse, l'organisme devient moins sensible à l'effet régulateur de l'insuline. Important facteur de risque d'accident cardiovasculaire, de diabète et de cancer, cette maladie est, dans 10% à 20% des cas, associée à de l'inflammation et à une insuffisance des cellules du foie. Il ne s'agit plus alors de stéatose pure, mais d'une stéatohépatite non alcoolique, une véritable hépatite à la graisse. Cette maladie est généralement asymptomatique et les éventuels symptômes sont la fatigue, une perte de poids ou des douleurs abdominales. C'est en cela qu'il devient urgent de nettoyer le foie avec des ingrédients naturels et pour le cas du jour, nous le ferons de deux manières différentes. Pour l'infusion de feuilles de papaye, nous allons simplement procéder de la manière suivante. Après avoir cueilli des feuilles de papaye, lavez soigneusement. Découpez et mettez dans une marmite avec 1 litre d'eau potable. Portez à ébullition pendant 15 minutes au moins. Recueillez l'infusion dans un bol et filtrez. Bois l'infusion matin à jeûne et le soir avant d'aller au lit. Le papaye possède de nombreuses vertus médicinales. En phytothérapie, on utilise aussi bien le fruit que les feuilles, les graines, le latex ou les racines. Selon la partie utilisée, le papaye est un purgatif, un anti-inflammatoire ou un agent ayant des effets positifs sur la digestion. La sève contenue dans le latex est largement utilisée pour traiter l'insuffisance gastrique. En usage externe, elle traite les affections, la cicatrisation des plaies, mais aussi les affections de la peau telles que les furoncles ou les verrues. Elle est aussi utilisée pour soulager les douleurs du nerf sciatique. Les infusions de feuilles sont efficaces pour améliorer les ballonnements et troubles digestifs. Elles favorisent également l'hypoglycémie pour les cas de diabète modéré. Les autochtones d'Australie leur prêtent un pouvoir anticancéreux qui n'a pas encore été vérifié scientifiquement. Les feuilles de papaye jaunissantes sont utilisées en Asie pour traiter les infections virales comme la dengue en faisant remonter le taux des plaquettes dans le sang. Les graines de papaye possèdent des effets contre la parasite, antibactériens, analgésiques et anticancer en ralentissant le développement des cellules cancéreuses reconnues. Le fruit, riche en vitamines, minéraux, antioxydants et fibres, la papaye est un fruit santé par excellence. Une étude a montré qu'une consommation hebdomadaire de papaye diminuait le risque de développer un cancer de l'utérus. La deuxième façon d'utiliser nos feuilles de papaye, c'est de préparer une boisson dont nous allons procéder de la manière suivante. Cueillir les feuilles de papaye et laver soigneusement. Découpez et mettez dans un mixeur avec un demi-litre d'eau. Mixez et recueillez dans un verre à boire entre les repas. Pour faire face à la jaunisse, les racines de la papaye sont l'élément le mieux indiqué. Nous allons certainement le développer dans une prochaine vidéo. Voilà donc les amis, deux belles manières de nettoyer le foie avec les feuilles de papaye. Nous attendons vos avis en commentaire. Aimez et mettez un like sur la vidéo. Partagez avec vos proches et surtout, dites-nous d'où vous nous regardez. Nous vous invitons à faire un tour sur notre site internet www.rosemonifashion.com
afin de découvrir nos divers produits pour la beauté et la santé. Des produits faits maison. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux WhatsApp, Facebook, Snapchat, Instagram, Pinterest pour toutes vos préoccupations.